par rapport au contenu, à l'envie, au travail qu'on y met, on n'est vraiment pas récompensé. On fait ce qu'il faut, malheureusement, il y a toujours on n'a toujours pas le petit plus qui nous fait gagner les matchs, et pourtant on a toujours plus d'occasions que les équipes adverses, on joue mieux aussi, mais au final ça ne nous sourit pas, mais voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler, parce que ça ne peut pas ne pas nous sourire indéfiniment. Le sport c'est comme ça, on n'est pas toujours récompensé, mais je veux dire, il y avait dans le contenu tout à fait autre chose que ce qu'on a montré la semaine dernière à Sedan. On est malheureux à domicile, on fait trois matchs nuls, et trois fois avec un petit peu plus d'opportunisme et de réalisme devant le but adverse, je pense que ça aurait pu basculer. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir le score. Voilà, je pense que si on avait pu ouvrir le score, le match aurait été différent. Et malheureusement, on a eu courir après ce but et puis après pousser pour gagner, tout en prenant des risques qui auraient pu aussi nous être préjudiciables. Voilà, que dire d'autre ? On a véritablement affaire à une très bonne équipe qui allie le jeu technique, la force physique, un public qui pousse et qui va, je pense, aider cette équipe à remonter tranquillement au classement parce qu'il y a vraiment une équipe de qualité et un public extraordinaire ici.